Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur la suite de Hollow. La dernière fois on avait compris un petit peu l'histoire. Enfin, on a compris l'histoire en fait que tout ce qui est message et tout ça, c'est nous. Et en fait à chaque fois on perd donc on perd la mémoire et cela nous permet de nous aider nous par la suite. Et là, il faut en fait qu'on détruise la base. Enfin, faut détruire en fait le vaisseau. Donc pour ça, moi je pense que c'est de ce côté, vu qu'il y a la flèche pour nous dire d'aller de ce côté. Donc on y va. Donc c'est peut-être le dernier épisode. Donc je ne sais pas, on verra bien comment ça va se dérouler. Ok, rien à prendre. De ce côté, on va suivre toujours les flèches, hein. Côté munitions, on est bon. Ah, là-bas, il y a de la lumière. Ouais. Alors, on suit toujours les flèches, hein. La flèche nous a dit d'aller de ce côté. Alors forcément, si je regarde pas sur les autres trucs, peut-être que je loupe des choses, hein. Des choses à prendre, des choses du genre. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc, de ce côté. Un peu bizarre ces couloirs quand même, hein. Ah, il n'y a plus de papier pour me dire où je dois aller. La map. Là où je vois rien. Ah, là-bas on a un petit truc. Mais c'est peut-être en dessous de nous. Ah, si, de ce côté. Je l'avais pas vu. Il me faudra un autre papier pour me dire où je dois aller. Il n'y en a pas d'autre. Ouais. Là, il n'y en a pas. Ah! De ce côté. En fait, je pense que c'est un labyrinthe. On est dans un labyrinthe. Et si on fait pas attention à la flèche, on se perd. Donc en fait, peut-être que tous les couloirs et tout ça se regroupent à chaque fois. Ce qui donne un labyrinthe. Faut trouver un petit papier, je pense. Là, il n'y a pas de papier. Sur la map, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas un papier. Il n'y a pas un papier au-dessus, collé au-dessus que j'ai pas vu. On va aller de ce côté. Ah oui. Parce que le chemin là relie peut-être celui-ci. Ouais. Donc ils n'avaient pas besoin de mettre un papier. C'est parti. Point de sauvegarde. Enfin non, il n'y a pas de point de sauvegarde, mais c'est plus
Un truc de chargement. Ok. C'est parti. Ouais, bah oui, forcément. Forcément, faut qu'il y a ça. Hein. Ah oui, je me rappelle de cela. Alors, la map. On va regarder. Donc, on était déjà arrivé ici. C'était de ce côté. On était venu de ce côté. Là, je pense qu'il faut qu'on aille droit devant. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je veux juste attendre qu'il bouge. Ça serait cool qu'il se mette à bouger. S'il te plaît. Voilà. Ok, go. Alors, là, nous sommes. Vite fait la map. Alors, un point de sauvegarde, un truc à récupérer là-bas, une porte à ouvrir là-bas. Et il y a encore d'autres trucs à peut-être à utiliser. Mais c'est peut-être. C'est toujours le même. C'est toujours la même zone où on était, je crois. Oui, c'est toujours le même coin. J'espère que c'est de ce côté. C'est tout ce que je demande. Fermé. Voilà, faut qu'on utilise le convoyeur. Et le convoyeur. Je sais plus ce que c'était comme, comme code maintenant. C'était pas. Un truc du genre. Non, bien sûr que non. Trop de mémoire. Je vais regarder dans mes papiers parce que je l'avais noté de toute façon. Donc je vais regarder ça. Et je vous reprends tout de suite après. Donc à tout de suite. Ok, voilà re. Donc en fait, je me suis gouré. C'est pas ici qu'il faut que je repasse. J'ai cru qu'il fallait que je reprenne en fait l'ascenseur. Mais non, c'est pas du tout ça. Enfin, le convoyeur. Faut que je repasse ici. Oui, c'est vrai, je l'avais. Je l'avais pas pris la dernière fois celui-là. Donc en fait, faut que je repasse ici. Et il faut que je repasse là-dedans de nouveau. Ce qui est un petit peu chiant. Mais c'est parti. Dur, dur, dur. Ok. Bon, de nouveau cela. Je peux pas passer en dessous? Non, bien sûr que non. C'est parti. Ok.
J'espère juste que c'est vraiment le bon chemin que je prends, parce que sinon... Bon, déjà, on va ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Pour être sûr que ça sauvegarde. Ok. On va se refaire le plein de ça. On va re-sauvegarder. Fermer. Et c'est parti. Bon. Alors, l'élévateur. Pas mal la musique, pas mal. Par contre, il faut que j'attende longtemps pour l'ascenseur ou quoi? On l'a appelé, hein. Ah, super. D'accord. Alors, faut que je regarde mes papiers. Alors, on va essayer 666. C'est ce que j'avais marqué pour générateur. Mince. Et vu que il n'y a que 3 numéros qu'on peut mettre. Ok. Super. Et c'est au générateur qu'on fait tout exploser, je pense. Mais je pense que notre maladie là, avec les aliens bizarroïdes, ils vont peut-être pas accepter qu'on fasse exploser. Ils nous donnent des munitions, c'est pas pour rien. J'ai le plein de munitions, donc normalement on est ok. J'ai ça sûrement pour faire des pièges. Ça descend. Ouais. Mark, non. Oh! D'accord. C'est dur à viser à la fin parce que ça éblouit un peu et ça picote les yeux. Continuez.
Ça picote les yeux et c'est pas top, hein. Donc les munitions, je les ai récupérées, ça c'est bon. Et comme je le pensais, hein, ils veulent absolument pas me laisser faire exploser le vaisseau. Et là, rebelote, ça prendra 10 plombes. Donc petite coupure. Et on va repasser après l'ascenseur. Donc ouais, tout de suite. Alors, bonjour. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une petite coupure dans la vidéo, dans cet épisode-là. Et arrivé donc ici, à ce niveau-là, je l'ai fait une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois, sans réussir à passer ce niveau-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite pause un petit peu dans le jeu. J'ai arrêté de jouer. Et en fait, j'ai repris 3, 4, 5, 6 jours après ce niveau-là. Donc cette fois-ci, j'espère que j'arriverai. Donc c'est pour ça que cette semaine, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu d'épisode en fait de Holo. Tout simplement parce que j'ai fait une petite pause sur le jeu. Parce que, pour vous dire, passer une heure et demie sur le jeu à essayer de passer ce niveau une vingtaine de fois, je peux vous dire que c'est très chiant. Et c'est pour ça qu'il me fallait une petite pause. Donc il y a des coins ici qu'on n'avait pas été au début en fait. Donc ça c'est des trucs à récupérer. Et on va tout de suite utiliser la seringue pour les points de vie. Voilà. Et donc je vais vous expliquer un petit peu. Donc en fait, donc on a les créatures qui arrivent et tout ça. Et on a des ordinateurs qui se trouvent en bas. Les ordinateurs devront être activés pour pouvoir activer l'ordinateur qui se trouve en haut. Par contre, les ordinateurs pourront être activés que quand la créature n'est plus là. Donc c'est très très difficile. Et ben on va essayer d'y arriver, hein. Donc toujours la même cinématique, j'arrive jamais à la passer. Donc comme je vous ai dit, hein, vous essayez le niveau 20 fois et vous avez toujours cette cinématique et vous pouvez pas la passer. Donc c'est vraiment très chiant. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse une pause dans ce jeu parce que être obligé de reprendre l'ascenseur, être obligé de voir cette cinématique, c'est vraiment très dur. Et je peux même pas la passer. Ok, donc c'est parti. Alors, peut-être que maintenant... il vient où la créature? Alors là, je vais descendre. Parce que je peux activer en fait l'ordinateur. Ah, c'est trop tard. On va essayer de se rester caché ici. On va essayer de rester planqué ici et puis essayer de se faire... Ok. Il est encore quelque part, il est encore quelque part. Alors normalement en fait faut essayer de l'avoir. Voilà. On active ça. Et... Activer celui-là. Et je suis pas sûr, mais est-ce qu'on peut... Après, je sais pas. Est-ce qu'on peut l'activer ou quoi? Je ne sais pas du tout.
Vas-y, recharge, dépêche-toi. Oh non! Et voilà. Donc on va encore re-essayer. Donc là pour l'instant moi c'est mon premier essai après plusieurs jours où j'ai pas joué. Donc on va recommencer et on va essayer de... Mais je pense que ça peut être une bonne technique. De rester en bas, d'essayer de tenir en bas. Et dès qu'on peut, d'activer les ordinateurs très rapidement. Et après, d'activer le gros ordinateur en haut. Ça, ça peut être une bonne technique. On va faire comme avant. Voilà, donc vous voyez, hein, attendre l'ascenseur et tout, c'est très très long. Donc imaginez ça 20-30 fois, je peux vous dire que c'est très chiant. Ça 20-30 fois, plus encore la cinématique 20-30 fois, c'est un truc à se tirer une balle. bon. C'est pour ça que il fallait vraiment que je fasse une pause. Donc j'espère que là ça va être bon. Par contre je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr. Est-ce qu'il faut vraiment activer les deux ordinateurs du bas pour après activer l'ordinateur du haut? Je suis pas totalement sûr. Mais bon, on va essayer comme ça. Vu que de toute façon on est quand même on a vu qu'on pouvait les activer d'en bas. Voilà. Ça je récupère. Voilà, c'est de la vie. Et en fait ce que j'ai merdé avant c'est le gars que j'ai mis par terre. Il se relève à chaque fois. Et j'ai mal visé. J'ai un petit peu paniqué. Donc de nouveau la cinématique. Et j'espère que ça va être la dernière fois de la cinématique parce que... Ouais, je peux pas la passer, rien du tout. Hein. C'est affreux. Ils auraient dû mettre un système où on puisse passer la cinématique. Allez, c'est parti. Ok, il arrive de quel côté? Il arrive de ce côté. Alors, je peux peut-être déjà aller là-bas, me préparer pour les ordinateurs, voilà. Oh, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Voilà. On active ça, on se dépêche pour activer l'autre. Oh là, ça a pas marché. J'ai pas réussi à activer le... On va essayer de l'activer là. Ah, il vient. Ça y est. Ok. Des créatures. Ok. Il vient où? Il vient où? Il vient de quel côté? Il vient là. Ok. Ok.
D'accord. On va l'activer. Et on va voir. Est-ce qu'on peut... Ça a marché? Je sais pas. Non! Ça a pas marché. Ça a pas marché, franchement, je comprends rien du tout. Et ça commence vraiment à saouler. Donc on va continuer. Et on va bien voir. Bon, je fais une petite coupure et puis je vous reprends tout de suite après. Donc à tout de suite. Voilà donc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de nouveau. Alors le problème, c'est que je sais pas s'il faut réinitialiser les deux ordinateurs et après monter, ou un ordinateur et après monter. Ça, j'en ai aucune idée. Ça c'est très embêtant. Par contre, moi ce que j'avais déjà fait en fait, j'avais déjà essayé, mais j'ai pas vu que ça marchait en fait. Moi ce que j'avais essayé, c'est de réinitialiser un ordinateur, de monter et de le faire là-haut. D'activer le générateur d'en haut. Ça n'a pas marché. Donc ça n'avait pas marché. Donc là en fait ce que je fais, c'est que j'essaie de réinitialiser les deux ordinateurs et après de réinitialiser celui-là du haut. Normalement ça devrait marcher. Et si ça marche pas, et ben c'est pas grave. Je mettrai quand même cet épisode là en ligne. Ça c'est pas grave, je mettrai cet épisode là en ligne. Et dites-moi en commentaire si vous savez comment faire pour les ordinateurs et tout ça. Si c'est peut-être moi qui le fais mal. Mais si vous savez comment faire, dites-le moi en commentaire. Et puis peut-être le dernier épisode, ça sera peut-être la fin. Si jamais vous ne savez pas, je sais pas comment je vais faire. Donc c'est parti. Mark, non. Donc toujours la même cinématique. Encore et encore. Impossible à passer. Sérieusement, les développeurs, ils auraient pu faire un système qu'on puisse passer cette cinématique. Hein. Surtout si on perd à chaque fois ici, quoi. Donc rebelote, on va essayer d'aller tout de suite en bas. Ah, il vient là-bas. On a le temps de se barrer en bas. Voilà, et on va l'attendre ici. Voilà, on va l'attendre ici. Ok, reviens de ce côté. Allez, go. Go, 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 go. Voilà. Non, 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 non. Yes, j'ai survécu. Ouah, non, mais c'est une blague. Il repop juste devant nous, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va s'arrêter là pour cet épisode parce que c'est vraiment un épisode. Cette mission-là est vraiment très chiante pour moi et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve parce que déjà j'arrive pas et je comprends pas pourquoi ça veut pas marcher. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Bon, voilà, donc moi j'espère quand même que cet épisode vous a plu. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous savez comment je peux terminer cette partie-là, parce que pour moi elle est très difficile. Et surtout le plus difficile, c'est de passer la cinématique, l'ascenseur, et le temps perdu que je prends pour aller jusqu'à cette mission-là et à terminer ce niveau, c'est vraiment affreux. Donc dites-moi en commentaire si vous avez une idée de comment je pourrais
à le terminer et si vous avez peut-être des astuces ou des conseils à me dire. Donc moi j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à aimer. Moi je vous dis donc à bientôt pour la suite ou la fin, je sais pas encore. Voilà, donc à plus.